Look, I was just being greedy. I had the perfect situation. Wife was finer than a mug. Mm-hmm. Kept giving me babies, still finer than a mug. I had it all. Just sometimes you, and I don't make excuses. I know I messed up. And then, you know, when I didn't have that, I don't like to use the D word because I don't really know what it is, but I was lost. 76,000 square foot house by yourself. Lost. No kids. Go to the gym. Nobody's playing in the gym. You go to their room. Nobody's there. You start to feel it. And then as you're getting older and then you hear Shaq ain't Shaq no more, and then you realize Shaq ain't Shaq no more, you go from averaging 30 to 19 and, you know, and then, you know, but I said to myself, okay, you're not married, but you still have to protect and provide for this family. Get your ass up. Man up. Let's go. What you going to do next? You know, may not be a husband, but I'm always be a father. And the father's job is to protect, provide, and love. I have two, I don't like to use the term baby mamas. I have two wonderful women that have given me beautiful, gorgeous children. I have to protect and I have to provide and I have to love for them forever. That's why I work so hard. Je suis tellement contente que pour une fois, quelqu'un qui a peut-être, si s'est séparé avec sa femme, avoue que c'était lui, en fait, la cause du divorce. Je suis contente qu'il puisse reconnaître devant tout le monde que, en fait, c'est lui qui a fait mal à sa femme, qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Et on sait tous que peut-être il n'était jamais à la maison, il était avec des femmes d'ailleurs, puisqu'il jouait au basket dans différentes villes ou différents pays, dans sûrement il faisait des choses comme ça en fait, dans ce qui a causé le divorce avec sa femme. Donc je suis contente qu'il puisse reconnaître comme ça devant tout le monde que c'est lui qui a fait mal à sa femme, c'est lui qui n'a pas été un bon mari. Et il prend la faute parce que souvent les gens n'aiment pas prendre la faute, ils aiment toujours accuser l'autre. Et je pense que le fait qu'il reconnaisse ça, ça va faire quelque chose de bon à sa femme en fait. Ça va lui donner chaud au cœur. C'est vrai que lui et sa femme, ils sont amis, ils se parlent bien et tout ça là. Mais je pense que quand elle entend quelque chose comme ça, ça lui fait quelque chose au cœur, quoi. Vous savez, quand quelqu'un, des fois, vous hurt et qu'après, il vient vous dire pardon, ça fait quelque chose, en fait. Tu es quand même, ça te met un peu à ease. Et maintenant, comme il dit, sa femme est, elle est avec un jeune garçon. Je sais pas si le garçon est plus jeune qu'elle ou plus vieux qu'elle, je sais pas. Mais c'est comme si elle avait un garçon qui est un peu plus jeune qu'elle, je sais pas. I try to also instill in them. We don't need another basketball player in this family. We do not at all. If you want to play, I have the blueprint. I have the answers to get you to the top. You can follow them or you can choose not to follow them. You can make your own path. That's fine. But do not feel like you have to be that. Because if you look at that and you look at this, the richest people in the world don't do that. So I want you to focus on something else. You can run a hedge fund. You can run a company. Be a kind, do anything. Make sure you have something to fall back on. I play with them now because I let them know. And I ain't rich. I saw that. So, yeah, so, like, so, I did see that. Listen, I'm gonna spoil them, but I can't over spoil them. So I have to let them know. Like, look, I'm 50. When I get 70, I'm handing it over to one of y'all. The one that, you know, deserves to run it and, you know, keep it going. So, you know, they know and understand. My oldest son is in college. My oldest daughter is graduated. She worked for Pepsi. I really have six fabulous kids. I don't have any complaints and they're doing well. You said when you get 70, you got to hand it over. Qu'il encourage vraiment ses enfants à partir à l'école. Parce que je pense que de nos jours, les gens pensent que partir à l'école ne sert à rien. Et moi, je pense que non, partir à l'école est très important. Oui, partir à l'école peut-être ne te parle pas de certaines choses, des finances, tout ça là. Mais partir à l'école t'aide à réfléchir. Ça t'aide à penser de manière critically, de manière
à bien réfléchir, à bien penser. Partir à l'école a ses avantages. Et je pense que tout enfant, toute personne devrait partir à l'école. Même si tu pars à l'école et qu'après tu ne travailles pas pour quelqu'un et que tu crées ton business, au moins sur le fait que tu es parti à l'école, là, ça va t'aider dans ton projet ou bien dans ton business ou bien dans quelque chose que tu veux faire en fait. Partir à l'école, je suis désolée, mais des gens, certaines personnes de nos jours, je sais pas, casse le fait de partir, comment dire ça, comme si partir à l'école ne servait à rien. Et très souvent, ils prennent des exemples de, oh, tu as vu tel, celui qui a Microsoft là, je sais pas, soit ils prennent celui qui a Microsoft, soit ils parlent de celui qui a eu Mac Steve, soit ils parlent je sais pas trop qui encore, qui n'est pas là à l'école. Moi, je vais vous dire quelque chose. Celui qui a Microsoft là, j'ai oublié son nom, subitement j'ai oublié son nom, il était un... C'est un gars qui est intelligent. Il savait déjà utiliser l'ordinateur. Il savait déjà coder, même avant de partir à l'université. Pendant que toi, tu étais en train de jouer dehors, au billes, avec tes amis à courir derrière, lui, son passe-temps, c'était d'être sur l'ordinateur, écrire les codes et tout ça. Quand quelqu'un comme ça passe son temps à écrire les codes, quand il passe son temps à travailler sur l'ordinateur et toi, tu passes ton temps à jouer dehors avec tes amis, c'est deux mondes différents. Quand lui part à l'école, quand lui part à l'université, il voit qu'à l'université, il n'apprend rien parce qu'il a déjà appris ça lui-même chez lui. Donc, partir à l'université, ça ne sert presque à rien. C'est pour ça que ces gars-là drop, parce qu'ils ont quelque chose qu'ils peuvent mettre sur le marché. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu peux mettre sur le marché? Est-ce que toi, tu as une invention que tu peux mettre sur le marché? Non! Alors, ceux qui commencent les business, peut-être de faire des choses et vendre, pars à l'école quand même. Va à l'école pour réfléchir à penser, pour réfléchir à faire la comptabilité, pour comprendre un certain nombre de choses. Je pense que c'est important, hein. Ça c'est juste mon point de vue, hein. C'est juste mon point de vue. Et je suis tellement content qu'il fait vraiment ça avec ses enfants. Tous ses enfants sont allés à l'école, ils sont allés à l'université. Et maintenant, il dit que sa fille travaille pour la compagnie de Pepsi. Ces garçons aussi travaillent. Pour lui, ce n'est pas que parce que j'étais je jouais au basket, mes enfants doivent aussi jouer au basket. Beaucoup de parents font ça. Beaucoup de parents disent que, oh, moi, je suis docteur, mes enfants doivent être docteurs. Oh, moi, je suis avocat, mon enfant doit être avocat. Oh, moi, j'ai un business, mes enfants doivent avoir le business. Oh, moi, j'ai le salon, mes enfants doivent avoir le salon. Non! Ou bien, moi, je suis pasteur, mes enfants doivent être pasteur. Non! Non, le pastorat, ce n'est pas le royaume. Non, 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 je suis content de voir ça parce que ça encourage encore les parents comme nous, comme ça, à ne pas mettre la pression sur nos enfants, sur des choses qu'ils ne veulent pas faire. Je suis contente aussi par le fait qu'il guide vraiment ses enfants. Il les donne vraiment une direction de la vie par rapport à ce qui est professionnel parce qu'encore, il dit à ses enfants que ce que je suis en train de faire maintenant, tout le travail que je suis en train de faire maintenant, c'est pour que vous puissiez continuer. Donc, comme il a dit, que quand il ne sera plus là, il va donner toute la richesse ou bien toutes ses compagnies à un de ses enfants qui va continuer à gérer ça et à faire grandir ça. Donc, sûrement, il va regarder parmi ses 6 enfants, parce que je pense qu'il a 6 enfants avec 2 femmes différentes, sa première femme et une autre femme. Bon, la deuxième, je ne sais pas si c'est sa femme, mais bon. Donc, il a 6 enfants. Je pense que peut-être il dit qu'il va regarder parmi l'un d'eux. Il va voir celui qui est plus adéquat à gérer toutes ces compagnies-là pour continuer ce qu'il a fait, en fait. Donc, il est en train de vouloir créer ce qu'on appelle génération de richesse. Et c'est ce que beaucoup de blancs font. C'est ce que beaucoup de familles blanches font. C'est ce que beaucoup de familles qui sont très, très, très riches font. Parce que souvent, on voit des gens qui sont très riches. On se demande comment ils ont fait. C'est parce que leur arrière-grand-père avait déjà commencé quelque chose que la famille a continué. Donc si tu veux que ta famille aussi ait une sorte de richesse de générationnelle, c'est quelque chose que tu dois commencer maintenant. Même si tes parents ne t'ont rien laissé, toi au moins commence ça pour tes enfants. Commence à savoir comment gérer les finances, à avoir de l'argent. Pas pour toi, parce que je pense que ça doit être pour eux. Pas pour toi, mais pour eux. Comme ça, quand tu n'es pas là, ils vont continuer à faire grandir cet argent-là pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Il y a des familles ici dehors qu'ils n'ont pas besoin de travailler parce qu'ils ont tellement d'argent
tellement d'argent qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Et tout ça à cause de ce que leur arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père avait fait. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je pense que c'est un très bon exemple que tout le monde doit suivre. I'm trying to teach them about all types of men, you know, and you know what to avoid. Like I tell them all the time, I said, don't mess with somebody that everybody wants. Daddy, why? I said, because he got too many options. Mm-hmm. Got too many options. And depends on how he was raised, you know, he may take advantage of those options. And I always try to tell him, I say, you should get somebody that you like, somebody that you respect, and somebody that you can control. Mm-hmm. And that's what you should be looking for. Like, if you try to mess with a guy that everybody like, don't end up being crazy. Right. And then I was telling him, don't mess with nobody like your daddy, because your daddy used to be an animal like that. Il a une expérience. Il sait que les hommes qui ont beaucoup d'argent, les hommes que tout le monde veut, il dit à ses filles, ne suivez pas les hommes que tout le monde veut, parce que ces hommes-là ont beaucoup d'options. Et parce qu'ils ont beaucoup d'options, ils vont jouer avec beaucoup de ces filles-là. Ils vont coucher avec toi, te faire croire qu'il avait toi, alors qu'en fait, c'est pas toi qu'il veut. Donc, ils vont seulement t'utiliser. Donc, il dit à ses filles que ne suivez pas les hommes ou bien n'allez pas vers les hommes que toutes les filles veulent, parce qu'il va vous faire mal, il va vous faire souffrir. Je parle parce que j'étais comme ça, votre père était comme ça, je parle comme ça. Et moi, je me dis que oui, c'est bien beau qu'ils disent ça maintenant, mais très souvent, les enfants font ce que leurs parents font. Je ne suis pas sûre que ces filles vont l'écouter. Si ces filles l'écoutent, c'est que vraiment, ce sont des filles qui sont vraiment, vraiment aware. Elles ont un awareness, je ne sais pas, une vigilance, voilà, en français. Elles sont vraiment vigilantes et elles ont pris la décision que je ne vais pas suivre un homme comme mon père, par exemple. Il a dit quelque chose d'important du genre, il faut avoir un homme qui t'aime, qui pourvoit et que tu peux contrôler. Alors là, je ne comprends pas vraiment ce qu'il veut dire par là. Je ne pense pas qu'il parle de que la femme doit contrôler l'homme. Parce que si c'était ça, sa femme n'a pas pu le contrôler, quoi. Sa femme n'a pas pu le contrôler, il a fait ce qu'il veut. Et je ne pense même pas que tu peux contrôler un homme. Je ne pense pas. Et en voulant contrôler un homme, tu risques même de vous créer des problèmes pour rien. Donc, je ne pense pas. Donc, je n'ai pas bien compris. Je ne comprends pas bien ce qu'il voulait dire contrôler. Avoir un homme qui peut pouvoir aimer, t'aimer et contrôler. Ça, je ne comprends pas. Si vous avez une idée de ce qu'il veut dire, peut-être par là, peut-être vous pouvez bien expliquer ça dans les commentaires. Dites dans les commentaires ce que vous pensez. Hein. Parce que pour moi, on ne peut pas contrôler un homme. Tu ne peux pas contrôler un homme. Un homme ne peut pas contrôler une femme. Pour moi, c'est ce que je pense. Become more likable. You know how it is in sports. When I lose, I'm tearing my house up. I'm pissed. I'm breaking anything. But as soon as you have the kids, as soon as you open that door, all that has to go away. Mm-hmm. It all has to go away. You have to be nice, but especially with girls, because the kids, they don't care if you win or lose. So I try to do deja vu type things with my sons, with my daughters. I wish I could be there more, but you all know I got divorced and, you know, my kids were kind of young, but I'm always protect, provide, and love. I wish I could have been there more, but when I was married, I was always there. Like, you know, we have to go away for work, but when I come home, I was always home. I was playing dog man with the kids, playing the kids. Like, I try to be their friend. I let the moms do all the discipline stuff. I'm the guy that's, you know, lovey-dovey, and, you know, I always want to protect them. Je pense que quand tu commences à avoir des enfants, tu changes d'une certaine manière ou d'une autre. Et tout comme lui, c'est vrai que mes enfants m'ont rendu, je dirais, softer. C'est comme si quand tu commences à avoir les enfants, tu dois être soft. Peut-être parce qu'ils sont bébés, ils sont soft, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que j'ai aussi remarqué avec moi. Les enfants peuvent vraiment changer leurs parents. Ou bien peuvent vraiment changer certaines personnes. Hein, et les gens qui ont les enfants, ils ne changent pas. Hein. Mais pour la majorité des personnes, les enfants nous changent. Quand tu commences à avoir les enfants, ton tempérament change, ton caractère aussi change, tes priorités changent. Et je pense, il a totalement raison, hein. Je comprends vraiment ce qu'il est en train de dire. Et par rapport aussi au fait qu'ils disent que c'est sa femme qui discipline, et lui, en fait,
il est seulement leur ami, il joue avec eux, du moins quand il était encore marié. Moi, je pense que dans un couple, il y a toujours un qui sera un peu plus dur que l'autre. Il y a un qui sera dur, peut-être l'autre sera soft, ou bien les deux seront la même chose, je ne sais pas trop. Mais souvent, dans les couples, chaque couple a sa manière de faire les choses, quoi. Chaque couple a sa manière de faire les choses. Et je pense que très souvent, nous, les femmes, on est souvent plus douces que les hommes, très souvent. Donc maintenant, quand tu as un homme qui n'est pas là, qui a un travail, qui est dépendant, qui le fait voyager tout le temps, très souvent, si toi, tu es à la maison, toi, la mère, tu vas commencer à devenir un peu plus dur, quoi. Parce qu'il faut les discipliner et tout ça, là. Chez toi, qui est le disciplinaire et qui est la personne qui est douce? Chez moi, je ne sais pas. Chez toi, dis-moi. Which brings me to a question. Do you have a favorite of your children, or have you been accused of favoritism? I like my girls a little bit better. Why? Because as a man, you have to protect, provide, and love for your woman. Do you trust them more than you trust yourself? Yes, I do. I do. I trust them more because they're more sensitive, they're more caring, and they're thinkers. You know how boys are. Mm-hmm. Like my boys, you bring a something and right in front of them, they're gone. You know what I mean? They're gone. But so, and like I tell my boys, when y'all get 18, y'all gotta go. Girls can stay as long as they want. Le fait que il aime plus peut-être ses filles par rapport à ses garçons. Bon, je ne pense pas qu'il aime plus ses filles par rapport à ses garçons. Je pense qu'il aime ses enfants de la même manière, peut-être, je crois. Hein, mais il est peut-être plus doux avec les filles, parce que ce sont les filles. Vous savez, les filles sont soft, les filles sont, elles sont plus soft. Et je pense qu'en tant qu'homme, les hommes auront plus tendance à être plus doux ou bien plus calme ou bien plus gentil avec les filles que les garçons. J'ai vu ça chez mon père, j'ai vu ça chez beaucoup de personnes. Donc, c'est tout à fait vrai ce qu'il est en train de dire. Et aussi, le fait qu'il dit que à un certain âge, ces garçons doivent sortir de la maison et les filles peuvent rester autant qu'elles veulent. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Encore une fois, je suis d'accord parce que le garçon, il a une obligation de protéger et de provide, c'est-à-dire que de pouvoir aux besoins de sa famille. C'est le rôle d'un garçon, c'est le rôle d'un homme. Alors, tout homme doit être capable de le faire. Alors, si tu gardes tes garçons à la maison comme tes filles, c'est pas normal. C'est pas normal parce que le garçon, il a un grand devoir qu'il attend demain. Ton garçon doit pouvoir parvenir aux besoins de sa femme ou de ses enfants futurs. Dans un certain âge, tu dois le responsabiliser que mon frère, tu as 18 ans, sors de ma maison, va te débrouiller. Par contre, la fille, c'est différent. Nous, les femmes, comme la Bible dit, les femmes ont été créées pour les hommes. Dieu a créé la femme pour l'homme. Vous savez, moi, c'est ce que je crois. Et je pense que la femme, elle peut rester à la maison les filles peuvent rester jusqu'à ce qu'elle veut, jusqu'à ce qu'elle parte se marier. Mais si elle ne veut pas rester à la maison, elle va aller louer son appartement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi-même, à l'âge de 18 ans, je voulais y quitter la maison de mes parents, que je ne suis plus avec vous. Non, je dois être loin de vous, je dois être indépendante. Tu peux, en tant que fille, tu as l'occasion de faire ça, mais tu peux aussi rester à la maison. Ce n'est pas la même chose comme avec les garçons. Cette interview-ci, encore une fois de plus, me fait vraiment chaud au cœur de voir quelqu'un comme ça qui est successful, qui a beaucoup d'argent, être aussi simple, être aussi humble, être aussi reconnaissant, à savoir partager ses expériences, à savoir avouer que j'ai eu tort, à nous montrer que des fois la vie, oui, tu peux avoir l'argent, mais c'est pas ça le plus important. J'espère qu'avec vous, on a pu apprendre aussi des choses ensemble sur comment éduquer nos enfants, sur comment nous comporter avec notre partenaire, le fait qu'il faut savoir bien communiquer avec son partenaire, le fait qu'il ne faut pas tromper son partenaire, le fait qu'il faut être là, parce que après certaines années de nos vies, il y a les choses qu'on ne peut plus rattraper, il y a les choses qu'on ne pourra plus peut-être corriger. Alors aujourd'hui, j'aimerais célébrer 3 de mes abonnés, une qui s'appelle
Kosiwa Firma, merci beaucoup de me suivre sur presque toutes mes vidéos que je fais, de toujours commenter et de vraiment de m'encourager. J'aimerais te dire encore merci devant tout le monde. La deuxième personne, c'est Souad Aïd. J'espère que je prononce bien ton nom, ma chère. Vraiment, j'aimerais aussi te dire encore merci de me soutenir dans mes vidéos, de regarder mes vidéos et d'être une fidèle abonnée. Troisième personne, c'est Ramata Traoré. Ramata, vraiment, merci beaucoup parce que tu commentes dans mes vidéos, tu me soutiens, tu es toujours là, tu es une abonnée fidèle. Vraiment, ces trois abonnés, ce sont des abonnés qui sont fidèles quand je poste une vidéo. Et j'ai voulu leur dire merci de me soutenir parce que quand vous commentez sur mes vidéos, quand vous réagissez, quand vous likez, ça montre que vous me soutenez. Et j'aimerais vous dire merci. Ce ne sont pas toutes des personnes, ce ne sont pas tous mes abonnés qui me soutiennent, que j'ai dit aujourd'hui, mais il y en a d'autres et dans chaque prochaine vidéo, je vais choisir des abonnés que je vais aussi célébrer comme dans cette vidéo aujourd'hui. Encore une fois, merci à tous mes abonnés et portez-vous bien. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de t'abonner si c'est ta première fois d'être là. Moi, je m'appelle Josifia et si c'est ta première fois, s'il te plaît, écris dans les commentaires que c'est ma première fois d'être là. Comme ça, je peux te faire un shout-out. Hein? Comme ça, je peux t'annoncer et te dire merci. Mais sinon, si c'est pas ta première fois, encore une fois, like la vidéo. Et merci, merci, merci beaucoup de soutenir ma chaîne YouTube. Et on se voit à la prochaine vidéo. Slippery surface, a heart attack. And sometimes you